Hey, bonjour à tous. Alors donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Autrement, vous auriez eu la recette donc du citron suspendu. Et donc, soit celle-ci en premier, soit les Skittles. On va voir un petit peu. Donc là, je vais faire du Skittles, on va dire tropical. C'est très très simple. Vous prenez une petite bouteille, vous mettez quelques Skittles. Après, vous pouvez mettre, on va dire, que des bleus ou autres. Ça permet d'avoir une couleur, on va dire, assez différente. Et assez jolie, je dirais. Hop, je vais peut-être trier quand même. On va faire un rhum bleu. Alors donc, pas besoin de mettre de sucre, bien sûr. Ça, on peut le faire aussi, ce qui est très très bon, on peut le faire aussi, on va dire, avec de la vodka. Souvent, en dissolution, on va mettre à peu près une semaine pour que ça dissout. Ensuite, autrement, encore le moyen de, pour aller un peu plus vite, de le mettre, on va dire, dans le lave-vaisselle. Le but, c'est pas ça. Hop. Le but, c'est de prendre son temps. Après, je vous ferai voir au niveau des rhums, je suis pas à court du tout. Alors, non, on va dire j'ai énormément de choix et après, il faut les boire aussi. Hein. Voilà. Donc, quelques Skittles bleus. Hop, l'entonnoir, on peut en mettre partout. Peut-être faire quelque chose. Faut toujours goûter la marchandise. Et voilà. Alors on peut faire ça avec du rhum charrette, même oiseau, etc. Là, je vais faire avec ça parce que, honnêtement, il y avait une promo. Hop, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Ce qui est sympa, déjà, pour ça, qu'il faut mélanger qu'une seule couleur, ce qui est plus joli, parce qu'autrement, on va tomber sur un. Tu as un verre caca d'oie. Voilà, donc on obtient, on va dire, quelque chose de bleu. On va dire, assez pas mal. Voilà, pour après, pour faire, on va dire, des mojitos, des choses comme ça, on va dire, un goût de dragibus. Peut-être en faire une deuxième. Hop, on va prendre une autre bouteille, on va refaire la même. On va prendre du rose, ça peut être sympa. Même, on va dire, pour la Saint-Valentin, faire un petit cocktail rose au rhum. Alors, c'était pas prévu, mais pourquoi pas. Allez, on va mettre tous les roses qui restent. C'est un petit peu plus sucré que le bleu. Hop. Alors, on aura normalement le même goût, à part, on va dire, ça sera au niveau de la couleur, en fait, ça sera visuel. Hop, on ne sait jamais s'ils sont mauvais. Et voilà. Donc là, normalement, ils vont changer de couleur aussi. Ils vont passer. Le rhum va passer en rose. Je vais vous faire déjà
un bleu quand elle vient de tourner au niveau couleur. On est sur quand même sur un bleu pas trop mal du tout. Voilà. Donc, une question légèrement goût tropical. Et en même temps, côté, on va dire, ce qui est bien, on va dire, avec des bonbons, au niveau des couleurs. Ça peut être sympa au niveau des couleurs. Là, ça commence à passer légèrement rose. Pour les cocktails, ça peut être vraiment super sympa. Et on essaiera de faire quelque chose de sympa en cocktail avec celui-là pour la Saint-Valentin. Peut-être avec un jus de coquelicot ou un truc comme ça, ça pourrait bien le jus bleu. On verra bien. Je vous ferai la petite vidéo. Donc voilà. Donc à très bientôt. Like, partage, diffuse la chaîne pour en avoir, on va dire, pour avoir un peu plus d'abonnés, avoir une visibilité dessus. Après, c'est des recettes, on va dire, pour l'instant, assez simples. Les recettes cocktails, on va pousser un petit peu plus pour, on va dire, mais bon, tout le monde est capable, on va dire, de les faire par rapport, on va dire, à des produits qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà. Et à prix, on va dire, normal, non honoré. Voilà, donc, je vous reprends la prochaine fois. On regardera pour un petit cocktail de Saint-Valentin. Et voilà, donc à très bientôt. Like, partage, à très bientôt. Salut.